Bonjour à tous. Aujourd'hui, un épisode un peu court où, pour faire suite à l'épisode précédent, on va plonger au cœur de la matière, jusqu'aux atomes, pour voir comment elles se structurent, ce qui permettra d'avoir quelque chose de plus concret sur ce que sont physiquement les matériaux. Parce que si je vous demande de me tracer une molécule d'eau, et si vous avez un tant soit peu écouté en cours de physique chimie, vous allez certainement dessiner quelque chose comme ça. Et si je vous demande de faire la même chose pour le CO2, ce sera certainement quelque chose comme ça. Mais si je vous demande de faire la même chose pour le chlorure de sodium, communément appelé sel de table. Comment vous faites? Comme ça? Et maintenant, si je vous demande la même chose pour l'aluminium? Ou pour le téflon? Eh oui, ce sont pas des choses qu'on voit à l'école, ça. Je sais pas vraiment pourquoi. Du coup, corrigeons ça. Alors, ce sera assez succinct, parce que certaines notions qui vont être abordées nécessiteraient des épisodes entiers à elles toutes seules. On va partir de 4 objets. Un film plastique d'emballage, une bague en or, un disque de découpe en carburant d'homme, et un morceau de verre. Ça en fait un par famille principale, sauf pour les verres et céramiques, mais c'est parce qu'il y a une différence notable entre les deux. Alors si on commence à zoomer dans ces matériaux avec un microscope optique, par exemple, voici ce qu'on observe. Pour l'or et le carbure de silicium, on va constater la présence de plein de petites surfaces délimitées par des traits assez marqués. Ce sont ce que l'on appelle des grains, et la frontière entre chacun d'entre eux est appelée un joint de grain. Les tailles varient typiquement de quelques microns au millimètre. Pour faire la comparaison des tailles, voici un cheveu à l'échelle. Par contre, rien de similaire n'est visible ni sur le verre, ni sur le film plastique. Du coup, tout ça c'est bien, mais on n'est pas vraiment plus avancé. Donc allons plus loin, jusqu'à ce que les atomes apparaissent. À ce stade, on va commencer à voir des choses pour nos quatre objets. Pour l'or et le carbure de silicium, on va observer un fait intéressant. Les atomes présents forment une sorte de mosaïque très ordonnée dans chaque grain. D'un grain à l'autre, ça change d'orientation, mais dans un même grain, ça se répète. Pour le verre, on a aussi une sorte de mosaïque, mais elle n'a pas d'aspect ordonné, comme si les atomes étaient positionnés au hasard. Pour le film plastique, c'est encore plus particulier, les atomes semblent former plein de fils enroulés en pelote, un peu comme un plat de spaghetti. Si on plonge jusqu'au niveau des atomes, on va constater pour l'or et le carbure que les atomes, assimilables à des petites sphères solides, sont empilés de façon régulière, ce qui est cohérent avec ce qu'on observait plus tôt. En fait, c'est un tout petit volume constitué de quelques atomes qui se répète un très grand nombre de fois dans tout le grain. Ce petit volume, c'est ce que l'on appelle une maille cristalline ou maille élémentaire. Et un corps constitué d'un grand nombre de ces mailles, donc les grains de tout à l'heure, est appelé un cristal, ou même un monocristal pour être plus précis. Donc, un grain dans l'or, c'est un monocristal d'or, où les atomes sont disposés de façon régulière. Et quand il y a plusieurs monocristaux dans un matériau, on dit qu'il est polycristallin. Il arrive d'avoir des monocristaux de grande taille, c'est typiquement ce qu'on a dans la joaillerie. Mais revenons à nos mailles. Il en existe plusieurs types, mais les plus courantes sont les mailles cubiques à face centrée, cubiques centrées et hexagonales, mais il en existe plein d'autres. L'or, par exemple, a une structure cubique face centrée, tout comme le sel de table de tout à l'heure, qui se présente sous cette forme. On est loin de la molécule NaCl. Et le carbure de silicium aussi peut avoir cette structure. Du coup, qu'est-ce qui explique leurs propriétés si différentes? Eh bien, ce sont les liaisons entre les atomes. La règle du duet et de l'octet, ça vous dit quelque chose? Pour rappel, la majorité des atomes ne sont pas stables au naturel, parce que leur couche électronique externe est incomplète. Du coup, ils échangent des électrons avec d'autres atomes, ce qui donne des molécules comme H2O ou CO2, mais aussi les matériaux qu'on étudie ici. Et en fait, ce qui va différencier ces liaisons, c'est la façon dont les électrons sont échangés. Le premier type de liaison est la liaison covalente. Les atomes mettent des électrons en commun pour compléter leur couche, de façon équitable, car ils ont une électronégativité similaire ou égale si ce sont les mêmes atomes. Alors, l'électronégativité, c'est la tendance que va avoir un atome à attirer les électrons à lui. C'est typiquement le genre de liaison que l'on retrouve dans le carbure de silicium et dans le diamant. Étant utilisé pour des outils de coupe, vous vous doutez bien que c'est plutôt un type de liaison très résistant. C'est aussi un type de liaison très directionnel, d'où la forme coudée de la molécule d'eau par exemple, et qui est peu encline à se déformer. Donc les matériaux avec ce type de liaison sont plutôt cassants. Maintenant, prenons le cas d'atomes d'électronégativité très différentes. Donc, un des deux atomes attire très fortement les électrons à lui, et l'autre, pas du tout. C'est typiquement ce que l'on a dans le sel, et c'est ce que l'on appelle une liaison ionique, puisque l'atome le plus électronégatif, donc le chlore dans le cas du sel, va tellement tirer l'électron de l'autre atome, ici le sodium, qu'il va lui arracher. C'est aussi le type de liaison que l'on retrouve dans l'alumine, que vous connaissez sous une forme particulière appelée communément rubis ou saphir. Là aussi, ce sont des liaisons résistantes, avec une tendance à se rompre plus qu'à se déformer. Par contre, ce type de liaison n'est pas directionnel, contrairement à la covalente. Enfin, il existe une liaison particulière propre aux métaux, la liaison métallique.
parce que certains ont beaucoup d'imagination. Mais au moins, c'est clair. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'il y a bien une mise en commun d'électrons entre les atomes, mais que ces électrons échangés ne sont pas fixes, ils sont dits libres. Oui, ça vient de là, la notion d'électrons libres. Ils vont facilement sauter d'un atome à l'autre. Le fait qu'ils ne soient pas localisés et qu'ils se déplacent facilement explique que les métaux soient déformables et ductiles, le terme opposé à fragile, et ça explique aussi pourquoi ils sont bons conducteurs électriques et thermiques. Maintenant, étudions le verre. On va prendre un verre de silice pour simplifier. S'il présente une structure ordonnée à très petite échelle, avec des tétraèdres d'oxygène au centre duquel on retrouve un atome de silicium, cette petite structure ne se répète pas de façon homogène comme les mailles cristallines de l'or ou du carbure de silicium. On dit que la structure est amorphe, par opposition à la structure cristalline. Pour le type de liaison, dans le cas du verre de silice, ce sont des liaisons ionocovalentes. C'est simplement l'intermédiaire entre le ionique et le covalent. En fait, l'oxygène attire très fortement les électrons du silicium à lui, mais pas assez pour lui arracher. C'est pour ça qu'il est lui aussi fragile et peu déformable. Enfin, notre dernier matériau, le film plastique. Comme les autres matières plastiques, il est constitué de plusieurs très longues chaînes carbonées. Dans une même chaîne, les liaisons entre les atomes sont des liaisons purement covalentes, comme dans le diamant. Mais si les polymères sont bien moins résistants autant mécaniquement qu'en température que les autres matériaux, c'est parce que les liaisons entre les chaînes sont très faibles. Là, il n'y a pas d'échange d'électrons. C'est simplement le fait que les atomes contiennent des charges, positives du noyau et négatives des électrons, qui les lient, un peu comme des petits aimants. C'est une liaison de van der Waals, du nom du gars qui a bossé là-dessus, et c'est ce que l'on appelle une liaison faible, par opposition aux liaisons fortes que l'on a vues juste avant, où des électrons sont échangés. Cela fait des plastiques des matériaux généralement peu résistants et qui ne tiennent pas en température. Il existe un dernier type de liaison, la liaison hydrogène. On la retrouve dans quelques plastiques, comme les nylons ou le kevlar, mais aussi entre les molécules d'eau. Même si l'hydrogène est lié de façon covalente à l'oxygène de sa molécule avec qui il partage donc un électron, il est aussi attiré par l'oxygène des molécules alentour, car l'oxygène est très électronégatif. C'est une liaison plus intense et plus forte que la van der Waals, mais on reste dans le domaine des liaisons faibles, car encore une fois, il n'y a pas d'échange d'électrons. Voilà donc en résumé le type de liaison et le type de structure que l'on retrouve en fonction de la famille de matériaux de façon très générale. Comme les relations structure, liaison et propriété sont très intriquées, et que l'origine d'une même propriété peut varier d'une famille de matériaux à l'autre, on traitera ça en détail plus tard. Du coup, lors du prochain épisode, on parlera des propriétés des matériaux, parce que c'est ce qui nous intéresse quand on veut fabriquer un objet. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine.